de Petit Kebab, c'est XKX8. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première fois sur Coupe du Monde 2014 qui vient de sortir, je l'ai pas trop cher, 35 euros. Vive une promotion. Donc aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, hein, vous voyez, hein, dans Face comment, un beau maillot du Portugal, Florent. Donc comment vas-tu, Florent? Ah, ça va. Même un peu tard, 23h, ouais. Tu gardes la forme? Ouais, ça va. Donc on fait un peu tard cette vidéo, hein, malgré voilà, un peu la fatigue, mais bon, pour faire plaisir, on le fait. Donc aujourd'hui, on va faire un peu une découverte du mode de jeu sur ce nouveau jeu, donc le mode devient capitaine. Donc c'est simple, c'est un peu un genre de club pro avec vos joueurs que vous créez. Donc vous avez un joueur chacun, donc lui il a créé son joueur, moi j'ai créé mon joueur. Et au fait, il y a un genre de classement parmi vos performances. Donc c'est à peu près, on va dire, dès que vous arrivez à la 43e position du classement, vous êtes parmi l'équipe première. Donc comment on fait pour être 43e? Il faut faire des belles performances. Donc on l'avait fait la dernière fois, bah, tout à l'heure, quand on avait pris l'équipe du Japon, on a fait vraiment de la merde. On n'a même pas participé à la Coupe du Monde. Donc là, on va essayer avec la Turquie. Le pays du kebab. Exactement. Nous parlons de kebab. Je peux remercier Max Maillot, hein, qui nous a fait une super maillot quand même. Hein, et je lui commandais le maillot du Portugal, Foké Ronaldo et moi. Attention, voilà. Kebab. Kebab derrière. Hein. Donc, le maillot du Red Bull de New York. Donc, voilà, c'est fait exprès aussi. Je commandais le maillot du Real. Donc, si vous ne connaissez pas Max Maillot, je mettrai bien le lien de son site dans la description. La fatigue s'accumule. Donc, voilà. Alors, on est où dans quel groupe là? Dans le groupe D, Pays-Bas, Hongrie, Roumanie, Turquie, Estonie et Andorre. Donc, bon, on va essayer de faire quelque chose quand même. Parce que, bon, avec le Japon, c'était très très difficile. Donc, bon, on verra ça, on verra comment ça va se passer. Bon, on va faire dans cette vidéo, on va faire deux matchs. Donc on va faire deux matchs, donc ça sera avec des joueurs vraiment pas très connus, parce que c'est des joueurs parmi des joueurs qui vont test, qui sont en test, on va dire comme ça. Donc ça sera comme nous, hein, on sera en test pour peut-être être dans l'équipe première, pour participer à la Coupe du Monde. Quel match. Turquie-France. Très bon match. Ça va être compliqué. Donc déjà, vous voyez les classements rivales. Donc on a des rivales, hein, parce qu'il y a aussi des joueurs qui vont s'arracher la place en équipe première. Donc on a Roland, défenseur central en rang 46. Donc ces 4 joueurs sont à laisser, hein, pour arracher quelques places. Donc on a 2 défenseurs centrales, un défenseur gauche et Kebab, le buteur, hein, tout simplement. Vous voyez qu'on n'a pas des gros générales pour l'instant, 66 de général. Surtout pas de très beaux crampons, hein, parce que hein, des crampons comme ça... Ça part dans les marchés, t'en as 5 euros, mais nous on veut des mercuriales, mais là c'est pas la possibilité. Donc je pense qu'en Turquie on n'a pas l'argent, donc voilà. Donc allez, on va jouer le match directement, vas-y, tu peux. Vas-y. Je pense que bon, voilà, on a la feuille de match, donc toi t'es en défense en centrale gauche, et moi je suis le voilà, buteur, donc on verra qu'est-ce que ça donne. Vas-y, tu peux lancer. Donc, attends, moi je suis le bleu, voilà. Donc, voilà. Ouf, Turquie-France, donc ça sera avec la France A prime. Le maillot rouge. Ouais, mais, ah ouais, il y a Evra quand même. Ouais. Donc, vous voyez, hein, c'est écrit rang minimum requis. Donc, nous, on est 46e en classement. Et on doit être 43e minimum pour être dans l'équipe première. Donc, va falloir... faire le maximum, mais au plus c'est écrit 6 matchs avant le tri, donc on va devoir faire 6 matchs pour prouver notre niveau. Ça va être plutôt difficile, je pense. Déjà, on va voir l'équipe de France là, je pense que ça sera, comme je vous ai dit, ça sera pas l'équipe type, hein, ça sera l'équipe prime. Donc on va dire, c'est l'équipe prime, on va dire, c'est l'équipe 2, voilà, c'est l'équipe 2 de l'équipe de France. Donc, avec les jeunes, c'est tous les jeunes. Ouais, il y a quelques jeunes. Bon, Evra, il est pas, parce que là j'ai vu qu'il y avait Evra, donc Evra il est pas si jeune que ça, mais. Voilà, c'est un peu avec des joueurs un peu mélangés avec les joueurs actuels et les joueurs un peu... On laisse... Ouais, vous allez voir la cinématique qui est vraiment bien sur cette Coupe du Monde.
Il y a vraiment de belles cinématiques, même question graphique. Voilà. Regardez l'équipe prime, vous voyez, il y a Landro, il y avait Landro, Jallet, Menez, Payet, Zuma, Jallet, on reconnaît directement avec sa coupe de cheveux. Evra toujours aussi mal fait. Oh, Evra, il est bien fait, hein. Regarde. Surtout, moi j'avais vu à tout à l'heure, c'était Varane qui était vraiment mal modélisé. J'étais un peu déçu. Mais on va dire que quand on fait des matchs en amical ou en tout comme ça, Coupe du Monde, les célébrations, ils n'ont pas changé. Voilà, ils n'ont pas changé, mais ils sont, quand le match il commence, les décors, la fête des supporters, c'est vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment impressionnant. Donc allez, kebab, voilà, kebab c'est le bleu. Hein, donc on est comme en club pro, hein, c'est moi je contrôle mon joueur, Florent contrôle son joueur, et les autres c'est comme c'est les ordinateurs tout simplement. Ouais, c'est bon. Je pense à la difficile de marquer, hein, parce que là, face à l'équipe de France, je le sens très mal. Allez kebab, tu tires le maillot, tu tires Zuma, tu t'en bats les pieds. C'est le ballon quand même. Allez, tire le ballon, tire kebab. Y'a pas faute. Ah non, je l'ai pas touché où. Oh putain. Ok. Transversal comme ça, faisant plus jamais quoi. Arrête le foot, hein. Fais la passe à moi. Ok. Ok, tu me fais quoi comme passe là? Bon bah. Il faut qu'il va. Ouais, pas mal. Je pense qu'il a mélangé foot et rugby. Hein, ouais, je le sais pas, hein. Mais je pense, je suppose. Hein. C'est les Turcs, hein, tu sais que. Ils confondent ballon et kebab. Ballon et kebab, ouais. Kebab volant, je sais pas, peut-être qu'ils confondent le ballon avec un kebab, espérons. Parce que là, je pense que cette frappe, je sais pas comment il a fait, mais c'est très exagéré quand même. Oulala. Quelle bonne passe par rapport au japonais de tout à l'heure. Ah, mais ça, c'est sûr. Et hop, enfin à moi, bien, voilà, fais tourner, on trouve une possibilité dans le trou. Pas mal ma passe. Allez, j'allais, tu vois. Oh. Ah putain, j'étais chaud là. Nous l'avons vu. J'étais chaud comme une viande de kebab. Qui sort du fou. Je sais que là, ça sort pas dans le fou. Mais... Jérémy Ménez. On peut dire comme ça. Ouais, on peut dire. C'est la fatigue. Je te comprends. Avec une semaine de cours chargée. Allez, je suis pas hors jeu là, je suis disponible. Kebab le sprint. Attention, hein. Oui, la passe au profondeur magnifique. Fais la passe à moi. Enroule. Oh là là. Dommage. C'était pour être chaud. Bien tenté. C'était pour être chaud, c'était pour se préparer. C'est pour moi, c'est un entraînement. Là. J'espère que nous allons être qualifiés. Pour l'équipe A de... Tu es confiant, hein, Christophe. Bah, hein, je sais. Allez là. Bon, bah, moi, je me fais bien chier en défense. Je vais centrer. Y a-t-il quelqu'un? Oh là. Kebab a failli être passé. Regarde le sprint de kebab, là. Il est partout, ce kebab. Il a ébloui son talent. Et ça... sa possibilité là, voilà, tu ne peux pas rater ça quand kebab te fait une passe superbe. Voilà, je suis désolé. Et quand kebab te fait un centre comme ça, tu as le respect de marquer. Voilà, c'est tout là, tu fais plus de passe maintenant. Moi je joue personnel, hein. Kebab c'est le futur Zlatan. Oui, futur Zlatan de voilà. Zlatan turc. Bon, tu as un ballon d'or aussi. Moi je me fais bien chier. Jérémy Ménez. La défense qui se met. Y'a faute. L'arbitre a sifflé. Maintenant on te voit. Tout à l'heure c'était moi, maintenant c'est toi. Allez. Ouf. Non. Ok. C'est Payet, hein. C'est Payet, hein. Tu sais, c'est Payet qui tire le coup franc. Voilà. On sait qu'il n'y a pas de danger, hein. Pas mal. Non, mais sincèrement, là, faut se calmer, hein, les enfants, hein, parce que là, les passes comme ça,
Il est directement rentré en prison. Hein. Voilà. Plus pitié. Hein. On fait la passe. Voilà. Regarde, faute. Oh, l'arbitre. Putain, mais quand même des belles passes. Voilà quoi. Mieux que tout à l'heure. Le gars il court pas quoi. Il gêne, j'allais. Attends. Bon, t'as déjà plus d'endurance. Oh merde. Je cours trop. Ou c'est les kebabs qui font ça. Je ne sais pas. Hein. Parce que le kebab là, avant de partir dans le match, dans les vestiaires, le kebab était assez dur. Oh putain. Oh. Comment il a gueulé avec maintenant. Il a buté de l'équipe de France. Didier Deschamps, montre tes dents. Qu'est-ce qu'il est beau quand même. Qu'est-ce qu'il... Il a du charme. À la Georges Clooney. Le garçon, j'ai pas compris. Moi, il pensait que c'était un grand kebab. Bon bah. Ok, non mais. Fais une passe dans mes pieds, tu vois. Mais pas des mètres de moi. Parce que là, il y a des problèmes, mon ami. Si tu fais une passe vraiment à côté de moi, très très loin de moi, on peut pas se comprendre. Et on fait la mort. Voilà, c'est ça, les gars. C'est moi le patron. Voilà. Bon, attends, je vais me calmer parce que là, je suis très fatigué. Là, il a plus trop d'endurance, mon kebab. Oh, mais fais la moi. Moi, je vais dribbler, moi, comme un mec. Comme un bon turc. Et essayer de lui prendre le ballon. Ouais. Sans problème. Dommage. Pas bien tenté. La puissance c'est qu'il a. Puissance. On a vraiment l'impression qu'ils ont marqué le bon. Bon. Juste avant la pause là comme ça. Ah ça fait mal. Les kebabs on voit pas les notes. On va voir dans quel état d'esprit les joueurs. On est marqué. 6-3 quand même pour kebab. Il a la meilleure note des 5 joueurs. Hein. Donc moi je dis bravo, hein, bravo kebab. Moi j'ai un grand respect pour ce joueur. C'est une légende. Ah, il s'arrache. Rémi, tu es un ancien Marseille. Tu peux pas me faire ça à moi. Cette passe elle est magnifique. Hein. Vraiment, il y a du talent. Du talent, c'est truc. Et ce ballon qui traîne. Oh non. Oui, bien joué. Non. Carte de danger. Ok, le but de PES est complètement raté. Voilà. Le jeu, il sera mieux. Faut qu'il centre le petit. Faut qu'il centre. Tu m'as vu. Voilà. Tu m'as revu. C'est Michel. La dernière passe, manquée de précision, ballon récupéré par le défenseur. Bon ça va, pour l'instant je suis premier dans les notes parce que l'objectif vraiment faut être dans le top dans les notes. Pour arracher des points dans le classement, donc Jérémy ça va être compliqué. Surtout avec l'équipe des Turcs. Hein. Il nous faut vraiment de la qualité dans les passes, mais là on ne les a pas quoi, tout simplement. Allez, anticiper la passe en profondeur. Le joueur il est pas top. Hein. 66 de général. C'est sûr, en défense, ça va être compliqué. Il faut qu'il fasse vraiment des exploits en défense. Ça, bon, ça va, mon kebab là, il distribue des belles passes. Et Etienne Capou. Oh, il avait senti le tacle venir. Oh, le trou. Oh le. Oh là. Bien joué mon ami. Je suis pas habitué. C'est pas mon pro de club pro. Sissoko. Faut qu'il lance aussi. Ah non, si tu lances un joueur qui est hors jeu, ne le fais pas. Il a fait sortir qui pour l'équipe de France. J'ai pas trop envie, Soko. Etienne Capou. Ouais, il fait rentrer comme il veut. Dimitri Payet. Putain, j'arrive pas à la fin là. J'aurais dû mettre en attaque.
Etienne Capou. Milieu gauche. Ah, que va faire l'arbitre? Bon, ça va, ouais, t'as une note correcte quand même. Ça fait 5,9, t'es pas le dernier quoi. Il faut sortir. Oh non, non, il me va bien sortir, hein, je suis toujours présent moi. Il a réussi à passer. Ouf, chaud. Oh, gardien qui est chaud. Hein. Bon, voilà, ils attaquent. Allez, défendez là, les gars. Oh, un tacle parfait qui va faire plaisir aux puristes. Tu me vois là-bas? Non, tu m'as pas vu. Si, si, je t'avais vu. Tu m'as pas vu. Payet, il arrête de jouer. Etienne Capou. Ah ouais, bien taclé, mais c'est pas fini. Ouais, plus que 5 minutes pour essayer d'égaliser. J'avais vu. Oh là 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 là, quel triste joueur. Attends, il peut faire des belles passes à moi là, mais non, mais ça pique pas. Ça pique pas les garçons. Allez, les deux entraîneurs vont il y a des gros dessous sur les passes, ça c'est sûr et certain. On peut pas faire quelque chose. Surtout face à une équipe de France quoi. Ok, ça serait la Roumanie là, c'est une bonne. C'est possible. Mais là, la France quand même, c'est la France hein, c'est une belle équipe même si c'est pas là. L'équipe type quoi, il y a quand même les jeunes, Menez, Christophe Jeannet. Oh, Menez, tu vois quoi, plus de 25. Comme dans le gars qui a 22-23. Il y a un charme. Bon, 1-0, ça va, c'est pas pris une branlée phénoménale. Je pensais. Même si on a mis aucun but, aucun tir cadré, même. Même aucune action. Voilà, c'est terminé. On va rentrer au pays. On va songer un donneur kebab. Voilà, on va la défaite. Surtout ce coup franc magnifique. De Sahan, il n'y a rien à dire. Complètement rien à dire. Bon, bah. Qu'est-ce que je dis? 2008 et toi 5,9. Bon, c'était pas catastrophique, mais bon. Merci. Mais bon, j'espère qu'ils vont nous prendre en sélection. Espérons, mais pas pour l'instant, parce que bon. Des joueurs de qualité comme nous. Vu les matchs qu'on a fait là, il nous faut marquer un but quoi. Bon, ça va. Plus ça en général. Jamais on a fait la même avec le Japon, on est resté toujours 46 et 47. J'ai pas su pourquoi. Mais ils veulent pas qu'on monte en fait. C'est ça. Ils nous aiment pas. Ils sont racistes contre nous. Peut-être. Ça me dégoûte tellement. Peur pas. On fait de bons matchs et. Je suis vraiment déçu de ce FIFA. Ah, ça aussi, oh, les entraînements, voilà. Parlons pas. Ça aussi, c'est bien dans ce mode de jeu, c'est qu'on peut assister à des entraînements. Donc les entraînements, c'est pas un mal entraînement, où vous faites, je sais pas, des tours de terrain, ou des trucs comme ça, c'est que vous faites des mini-jeux, voilà. Voilà. C'est des mini-jeux que vous faites juste avant les matchs. Vas-y, tu peux commencer. Tu peux faire d'accord, la salle d'entraînement. Donc c'est d'abord lui, normalement, qui va faire le défenseur central, il y a 68 de général. On va commencer par les minutes. Oui, bon, parlons pas de ça. Parce que lui, il a complètement raté tout à l'heure avec le Japon. Donc, il a complètement fini. Bon. Est-ce que tu vas rater là? Ah bah oui. T'es une merde. Oui, oui. Il nous dit au plus, il est content. Bon. Il est là-bas. Hein. Oui. Allez. On se refait. Ça commence déjà mal. Hein. Ah, voilà. Ça commence. Ça. Voilà, tu vois, ça porte ses fruits. Ouf, c'est bon, je suis chaud. Le travail se fait. Ah oui, c'est bon. Bravo. C'est bon, ça. Non. T'inquiète, je vais la réussir. Putain, mais chaud, hein. Ah, voilà. Je vous dis, là. Ah, non, j'allais dire, il me passionne, sincèrement, il est à un niveau d'enfer. Mais oui. Mais quand il a raté là, c'est moi qui t'ai appris à jouer à FIFA. Je dis plus ça. Voilà. J'espère que je vais faire un lecto parce que là. Ouais, vas-y. Ah, là, c'est mais pire. Non c'est pire que tout à l'heure. Ah non, là, je vais aller porter plainte. Oh, là, 3000, hein. Ça fait que 3000. Oh, bah, je m'en fous. Bon, ça va, t'es quand même 3000, mais attends, t'es bon.
pour la vitesse qu'il a. Bon, n'en parlons pas. Oh non, non, non. Oh, réveille-toi, Kebab. Hein. Moi, je te le dis, on ne joue pas comme ça. Bon. C'est une blague, je la mets jamais la flèche là-bas. Non, non. Je vais arrêter de brocante. Bah non, mais là, c'est... Regarde, là-bas. Ah, enfin. Putain, bâtard. Il s'est réveillé. Non. Voilà, il s'est réveillé. Tu ne vas pas dépasser. Oh non! Bah si. Mais non, mais là-bas! T'es aveugle. Mais c'est rien. Pas mal, pas mal. Oh yes, lolo. T'as pas dépassé les 3000. C'est la pression, c'est le stress. Arrête, arrête, et on me la fait pas celle-là. Je suis quatrième. Ouais, bah, c'est normal. Je pleure, je suis triste. Bon, bah, deuxième match. Plus bah, va-t-il monter en général? Non. Même pas. Il a le même général que moi, l'ordi. Combien de minutes doivent être là? 21 déjà. Ouais. Ça va bien. Ouh, oh, oh là là, bah. Steven, je dois t'annoncer un truc. On se prend une branlée? Une sodomie. Ouais, c'est pas une branlée, ça, c'est une sodomie. Ah non, mais non, c'est... Ouah. Attends. Chaud. Non, merde. Attends, non. Non, non. Oh là là, c'est lourd. Oh. S'il vous plaît... Aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis en... Oh putain, on est mort. On est foutu. Bon, bah... Prépare ta prière. Prépare la vaseline. Ah, viol. Oh là là. Face au Brésil, là. J'espère qu'il n'y aura pas les... Ouh. Les Neymar, les Hulk, les David Luiz. Parce que là, s'il y a ça... On est fichu, on est dans voilà le baba. Merde. Bon. Déjà, j'espère qu'avec une seule chose, il y aura cette légende brésilienne qui portera ce maillot dans cette équipe-là. Ronaldinho. Everson Lemos Brandão. Ah, parlons pas, il joue en équipe de France maintenant. Ah oui, il a les papiers. As-tu oublié? Il a les papiers français. Il a les papiers. Bah, déjà, ça commence. Hulk. Hulk, Robinho. Attends, voyons l'affiche. Brésil. Bon. Je pense qu'on va se faire qu'il dirigeait. Et toi? Oh non, mais aussi, là, c'est la sodomie à sec, quoi. Ah. Hulk. Marquinhos, Paulinho, Jadson, wow, Hulk, Osvaldo, wow, Robinho. Ça va, à part Hulk, voilà quoi. C'est pas du trop super bon, mais voilà quoi. Après en défense, ça peut passer quoi. Voilà, je le sens très bien ce match. Ouais, faut voir parce que voilà, Kebab. Marquinhos, il a que 60 points de général. Et alors? Il pourra pas marquer. J'aurais été M aussi, je t'aurais fait des passes. Oh là là, ça a tapé le poteau. J'entends. Quelle frappe de Kebab. Quelle frappe de Kebab. Ça a tapé le poteau. Oh, il était magnifique. Dommage. Prochaine. Imagine-toi un but comme ça en vidéo. En plus, c'était cadeau. C'était cadeau. Ça. Magnifique. Ah. Ouh. Non. Non. Oh, c'est bon gars. Oh putain. Bon allez, je me concentre. Pas mal. Je pense que j'ai touché. Ah non. Ah si. Si. Pourquoi me disais, pourquoi il a fait une passe comme ça lui? Mais c'était normal. Bon. Bon allez là, je veux pas derrière quand même. Pas mal.
peut-être une belle occasion là pour la Turquie. Le centre. Penalty. Oh, penalty. Penalty l'arbitre. Oh. Oh, j'ai pas touché haut. Oh. S'il avait touché haut. Oh. Il a touché haut. Oh. Il a abusé. Il m'a dit voler. Oh, je joue pas bien là. Je suis pas dans mon match. Bah attends là, il m'a fait tomber à la surface. Ça se fait pas. Ok, non mais d'accord. Vraiment une passe en profondeur, mais quand même pas si profonde que ça quand même. Mais bon, c'est pas de ta faute. Hein. C'est le niveau de l'équipe quoi, c'est pas du gros niveau quoi. Hulk. Un adversaire qui s'empare de ce ballon. Mehmet Topal. Ah, il lui remet. Oh, genre, oh, t'as vu l'arrêt toi? Mon gars, ah du tibia. Oh, putain. Hop, précis, en passe. Oh la passe. Oh la passe de kebab. Oh la passe de kebab. Voilà. T'aurais dû attendre. Non, j'ai fait carré pour son truc. Oh, putain, Marquinhos, il me fait chier. J'aurais pu l'avoir. Hulk. Allez. Allez les gars. Putain. C'est combien de minutes la vidéo? Je vois pas le nom. Ce serait une touche. 26. Bon, ça va. Bon. Belle tête de dur quand même. Ouais, oui. Bon, ça va. On joue pas, on pose bien le jeu quoi. Il y a pas de contre-attaque niveau brésilien sauf l'occasion de tout à l'heure. L'occasion qu'on a fait là avec le gars qui fait un arrêt spectaculaire son arrêt du tibia quoi, c'était magnifique. Et voilà, on est quand même. Oh putain de merde, le gardien. Il est vraiment abusé, Victor. Voilà. Hulk. Hop, je pose le jeu là-bas. Oh, mais non, mais qu'est-ce que tu nous fais, kebab? Fais un contrôle de qualité quand même. Tu es en Turquie, hein, tu es pas. Je sais pas. On bosse mon gars. Le duel. Oh là là, quel match. De grosses occasions, putain, faut bien les rentrer dedans, ça c'est. Il faut gagner. Ouais, bah, ça serait bien quand même, un match gagné pour la vidéo, voilà, ça serait quand même. Ouais. Allez! Oh, kebab! Pas physique, hein, ce kebab. Hein. Et voilà ce qu'on peut appeler une bonne couverture! Oh, ce n'est pas possible. Ouais, non! Sur ce bon tacle. Ah non. Non. Oh là là. La chance. C'est abusé. Elle a été contrée. C'est jamais très bon de prendre un but comme ça dans les arrêts de jeu là. Non. Il n'avait plus qu'à conclure, c'était vraiment abusé. Je suis complètement malade. Il repousse le danger. Arrête là. Il fait du pipeau lui. Ah, ils n'ont pas traîné pour le jouer le coup franc. C'est pas mon pro de 88. Mais si. Quand par hasard, quand Kebab aura le ballon, il est aussi. L'habitant. Non mais vous savez pas Kebab parce que ouais, c'est le meilleur joueur. Putain, mais cette frappe là aussi. Idéal, je ne sais pas, mais en tout cas, ça voulait voir pour donner le sourire à un entraîneur. Hein. On ne rentre pas au vestiaire avec le même état de jeu. Et l'entraîneur qui va procéder à un changement. Avantage pour les Brésiliens. Bon, la prochaine occasion, là, j'en ai dedans. Sans bon, bah, moi, je leur fais plus de cadeaux, hein. Je les tacle.
Oh là là, si tu veux pas avoir ce ballon là, je comprends plus. Paulinho. Tu vois, il va pas passer ce qu'il dit. Sur la trajectoire. Allez, tu m'as vu. Mais là-bas, tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu, garçon. La tête. Il est con. Oh, bah, ils font l'amour. Il intercepte. Pourquoi que j'ai l'amour à moi, j'ai dit, c'était normal. Putain, mais ça veut pas. Je veux marquer. Si moi, je veux marquer aussi. Bon, bah, tant que défense, ça sera compliqué. Robinho. Très belle allez, intervention, là. Très propre. Oui. J'ai pas demandé de ballon. Enrique. Allez. Donne-moi le ballon. Donne-moi le ballon. Donne-moi le ballon. Tiens, moi, j'ai un peu resté un peu dans ma surface parce que là, je vois mon endurance. Robinho. Il est très fatigué. Oh, il perd le ballon, mais ça joue. Mehmet Topal. Attention à cette action. Oh mais putain, mais quel gâchis, quel gâchis. J'aime pas ça, les modes d'ordinateur là-haut. Il commence à se tourner autour de lui. C'est le dribble là. Bernard, oh plus il entre Bernard, oh putain. Vraiment abusé. Mehmet Topal. Le tacle, heureusement qu'ils ont pas mis Thiago Silva en défense. Oh là là, alors là, ça t'est terminé. Moi, mon petit Bernard là, on fait une banque. Dans le jeu de passe, il y a toujours une solution, voire plusieurs même. Bah, allez, mais laisse-nous marquer là, putain, s'il te plaît, Dieu. Ouais, une, deux. Bon. C'est chaud, son ballon. Ils attaquent pas. Bah en fait ils font tourner, c'est... Allez. Alors là je comprends pas si on n'a pas une belle occasion. J'ai... Mais mets-le là-bas. Non. Ça n'arrivera pas. Oh. Voyez-vous. T'es combien court Bernard? Bah il y a 90 en vitesse. Combien 90? 5 étoiles de geste technique. Ah oh, mais quand même ça fait mal. Sur lui. Hop là-bas. Je la mets en profondeur. Mais non mais pas à moi. À l'autre. Hulk qui va se calmer, je te le dis. Je vais le prendre. Là t'as fait un tac de boucher. Il restait plus que mettre le roux s'il est tombé là. Ah Bernard il me fait chier. Ça l'avait. Bon, on resserre tout ça avec ce changement. Là, il faut tenir. Contre-attaque. Oui. Allez, on la dégage. Je l'élimine. Contre du dos. But de Brandao face à l'Italie. C'est chaud, j'ai plus d'endurance. Voilà, faut que je donne le ballon. Je suis crevé, je suis mort. Corner. Regarde ma barre. L'occasion à, ou jamais de marquer. Tu penses vraiment qu'on va marquer? Il choisit de procéder à un changement. Tu m'as vu, garçon. Et pourquoi je suis là-bas, moi? Pourquoi on fait un corner comme ça? Arrête tranquille du gardien. Oh, c'est juste à la rentrée. Tu passes pas. Tiens, bon, regarde ma barre d'endurance. J'ai plus rien. C'est même pas une barre d'endurance. C'est quoi sa barre de force déjà? Si, mais je veux dire, ça s'appelle même plus une barre d'endurance que toi. Allez, peut-être l'égalisation pour cette action. Oh putain de merde. C'est perdu. Eh ben, c'est triste quand même. Mais bon, c'était quand même un plaisir de faire cette vidéo, surtout cette occasion. Surtout cette occasion, c'était magnifique. Bon, bah écoutez, moi je pense qu'on va s'arrêter là. Donc il n'y aura pas un épisode 2, ça sera une découverte. Donc après, si vous voulez, je peux vous faire une série sur la Coupe du Monde avec Kebab, avec notre équipe, surtout parce que là en Turquie, je ne pourrais pas tenir. Nous non plus.
Donc, avec Florent, dans la même soirée, on va faire une vidéo moi contre lui. Donc, je sais pas si il va sortir après ou avant cette vidéo, donc on verra ça. Donc écoutez, bah, moi c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo en compagnie de ce Lillois, hein, voilà, tout simplement. Donc, malgré les défaites, mais bon, on s'est fait plaisir en faisant cette vidéo. Oui. Quoi de plus, plus rien à dire. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et je te laisse le dernier mot, écoute. Bon, bah, ça a été un plaisir de faire cette vidéo avec toi, Kebab. Je suis très ému. Ouais. Désolé. Bon, bah, merci. Hein. Et salut tout le monde, bande de petits Kebab. Allez, dis salut maintenant. Salut.